officiel, le Maroc organisera la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous prenez du plaisir à suivre la chaîne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, grosse opportunité pour ceux qui ont des chaînes YouTube, qui la veulent bien sûr monétiser. On est là, on monétise les chaînes YouTube en Afrique. Plus 229 53 63 87 30. Si vous voulez aller plus loin, prenez notre formation YouTube qui va vous permettre de faire des contenus sur YouTube et à gagner de l'argent. Le chômage n'existe plus aujourd'hui à l'ère du digital. Tu ne peux pas avoir un portable Android et une connexion Internet et me parler de chômage ou bien tu n'as pas d'argent et tout et tout. On ne manque plus d'argent aujourd'hui au 21e siècle. Donc voilà les opportunités que je partage avec vous pour vos publicités aussi. Si vous avez des structures, des sociétés que vous avez envie bien sûr de mettre en avant, on est là. Plus 229 53 63 87 30. Le numéro est en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Notre adresse mail aussi en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que bon, on a un groupe WhatsApp. Le lien de ce groupe WhatsApp est en commentaire épinglé et en description de cette vidéo aussi. Ça se mijotait dans les couloirs depuis quelques semaines, bien sûr. Le Maroc, c'est officiel, le Maroc organisera bien sûr la CAN, Coupe d'Afrique des Nations 2025 en été, c'est-à-dire en juin et en juillet. Ça veut dire qu'on ne jouera plus la CAN en plein championnat européen, et ce qui freine un peu les recrutements au niveau des joueurs africains, parce que les clubs européens, ils se disent que bon, je vais le recruter maintenant, et le mec, il ira jouer la CAN en janvier. Donc la CAN ne sera plus en janvier et en février. Et en Côte d'Ivoire, ils ont décalé ça à cause des péripéties, à cause des conditions climatiques et tout et tout. Vous voyez, juin, juillet, la CAN s'organisera bien sûr au Maroc. CAN 2025 en été, en juin, juillet, a indiqué la Fédération royale marocaine de football. Maintenant, dans une annonce faite le 25 décembre dernier, la CAF avait dévoilé les dates des éliminatoires, vous voyez, les tours préliminaires du 18 au 26 mars 2024 aura lieu, les tours préliminaires. Maintenant, le premier tour et le première journée et deuxième journée du 2 au 10 septembre 2024. 2 au 10 septembre, 3e, 4e journée, 7 au 15 octobre 2024, 5e, 6e journée, du 11 au 19 novembre 2024. Je reprends. Première journée, deuxième journée, du 2 au 10 septembre, s'il vous plaît. Troisième journée et quatrième journée, du 7 au 15 octobre 2024. Cinquième et sixième journée, du 11 au 19 novembre 2024. Vous voyez, et ça veut dire que les guépards doivent déjà commencer par se préparer, parce qu'en mars déjà, le 2, 18 au 26 mars, les préliminaires, est-ce que le Bénin n'est pas concerné après les préliminaires? Je ne pense pas. Le Bénin doit se préparer déjà en septembre, s'il vous plaît. Première et deuxième journée, bien sûr, aura lieu bien sûr en septembre. Vous voyez, ça reste encore un peu. Actuellement, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont battre bien sûr leur plein, et les gens ont déjà commencé par jouer des matchs. On a déjà joué des matchs, un match nul et une défaite, il me semble. En tout cas, il faut que la bande à Guénotro commence déjà par se préparer d'arrache-pied. À ciao.